Yo les brothers, on est à Las Vegas, à la célèbre en plus affiche Welcome to Las Vegas. Ça va être le début du vlog. Aujourd'hui, on va voir le Grand Canyon. Et oui, j'étais aux IUM Dallas. Et comment ne pas profiter parce que c'est l'état juste à côté. Et donc, let's go to Vegas, baby. On est dans le Grand Canyon. Pour monter ici les gars, sachez qu'il y a énormément de plaques commémoratives pour les personnes qui ont construit ce pont, le barrage là que je vais vous montrer. C'est hyper impressionnant. Et là il est à peine 9h du matin ici, on est sur les 40 degrés. Ça blague zéro. Et regardez là, je vais vous montrer la vue exceptionnelle. Je sais pas si on le voit derrière à l'image, parce que j'ai un petit objectif donc j'ai du mal à zoomer. Mais il y a la démarcation un petit peu sur la roche entre le noir et le blanc, couleur de la roche, où justement avant c'était le niveau de l'eau et il a énormément baissé, c'est ce que le guide nous expliquait, et qu'ils sont en crise nationale un petit peu à Las Vegas et même dans l'état en général parce qu'il manque d'eau de malade mental. Donc les chaleurs montent de plus en plus, ce genre de choses. C'est pas un message préventif pour faire la morale ou quoi que ce soit, mais c'était voilà, un petit moment de culture que moi j'ai appris, que j'ai trouvé intéressant, que je voulais vous partager. J'espère qu'on le voit à la caméra. On voit clairement la délimitation justement entre le blanc et le noir. Et en gros, le niveau de l'eau montait jusqu'aux taches noires juste avant. Donc ça a énormément baissé, mais super intéressant en tout cas. On est en plein dans le Grand Canyon, les refs, et j'ai fait le skywalk. Malheureusement, toute caméra, téléphone, tout est interdit. Vraiment, tu passes au détecteur de métaux et tout. Ils rigolent zéro, les Américains. Mais très décevant là-dessus parce qu'en fait, c'est un extra en fait qu'on a payé. 35-40 $ pour avoir cette visite en plus. Mais tu as l'interdiction complète de prendre des photos, etc. Par contre, sur place, tu as des photographes qui veulent te prendre en photo pour immortaliser un peu ça, donc c'est cool. Mais 6 photos, 50 ou 60 $. En plus des 35 pour y avoir accès. Donc là, moi, j'ai refusé. Et voilà, on est là dans le Grand Canyon. Et là, ce que vous voyez juste derrière moi, c'est le Eagle Point, parce que ça a la forme d'un aigle. Il y a des oiseaux partout. Franchement, c'était impressionnant. C'est vraiment très joli. C'est incroyable. J'ai beaucoup appris aussi sur la culture des natifs américains, indiens, etc. C'était vraiment sympa, ça, par contre. Voilà, ça m'a même donné envie de me cultiver un peu plus sur ce sujet. Donc, quand on reviendra en France, on se matera pas mal de films, de documentaires là-dessus. Regardez un petit peu, je vais faire kiffer un peu les paysages. Normalement, vous allez voir des oiseaux aussi qui passent. Là, il y a pas mal de corbeaux et d'autres aigles. Ou espèce. Là, je vais vous faire un zoom justement sur le Eagle Point. Là, on était à Eagle Point où il y a le Skywalk. Bon, c'est un coin très connu du Grand Canyon. Et maintenant, on va aller à Guano Point. Donc, je crois que c'est vraiment le truc le plus impressionnant et où on aura entre guillemets. Carte blanche, se balader un petit peu et découvrir la région. Donc let's go to Guano Point, les amis. Les BG, on est dans le Grand Canyon à Guano Point. Ouais, Guano. Guano ou Guana Point. C'est Guano Point ou c'est Guana Point? Oh là là, j'ai déjà tué le village des natifs américains, indiens d'Amérique. Je vais me prendre une sauce après 5 secondes dans le pays, frère. C'est une dinguerie. Bon ben voilà, on y est. C'est plutôt très stylé, très impressionnant. Waouh, waouh, avec la caméra là, je peux pas avancer plus les gars, je vous jure que... Non, c'est une dinguerie. Je peux pas avancer plus, c'est trop trop impressionnant. Enfin moi en tout cas, je suis pas à l'aise. Mais let's go baby. Hein. Il y a pas mal de monde, mais pas trop non plus. Parce qu'on est entre guillemets dans la mauvaise période. Summertime, donc il fait très chaud. Là, il fait, ouais, il fait un bon 40 degrés. Il y a quelques petites zones d'ombre, mais pas trop non plus, quoi. Juste derrière nous, c'est le point de chute d'un petit peu tout le monde. C'est un restaurant et tout. Et là, on est bien. On est bien. On va aller faire la randonnée. On va essayer de descendre un petit peu plus bas. Les gars, je vais vous montrer le sol et tout pour que vraiment vous puissiez comprendre que... Je sais pas, c'est chaud de chaud. T'es direct dans le vide, il n'y a même pas de je sais pas quoi, tu peux te tenir à rien du tout et tout. Je pense que c'est quand même pas mal dangereux. Mais c'est magnifique par contre, c'est vraiment magnifique, on voit la rivière en bas. C'est vraiment trop beau.
J'espère que ça vous fait kiffer les gars. Il y aura d'autres activités, mais voilà, petit moment où j'essaie de vous faire partager ce que je découvre, hein, tout simplement. Et ça, c'est grâce à Counter-Strike, c'est pas une folie ça. Te dire que quand même, avec CS, bah, j'ai pu voyager un petit peu, découvrir des beaux endroits comme ça, parce que j'ai profité... c'est un accord avec Predator, ACR Predator France, qui m'ont envoyé justement aux IEM Dallas. Et je leur ai dit, les frérots, est-ce que vous pouvez pas me prendre le billet de retour 2-3 jours plus tard? Et moi là-bas, c'est à mes frais et tout, ce qui est normal. Et ils m'ont dit, vas-y frère, avec grand plaisir Malek, fais-toi kiffer. Et donc là, je fais un deuxième vlog, Las Vegas, Colorado, Grand Canyon, etc. C'est même pas sponsor, etc. Mais je les remercie quand même parce que vous puissiez comprendre un petit peu comment j'en suis arrivé là. Parce qu'au final, c'est des grandes économies que je fais. Hein. Trajet cadeau et l'hôtel. Bon, là ici, non, c'est tout à ma charge. Mais franchement, ça vaut le coup parce que c'est très loin. C'est des voyages que les gens rêvent de faire. Et j'ai pu saisir cette opportunité. Ce serait magnifique de pouvoir en faire d'autres. Avec d'autres événements Counter-Strike. Voilà, je vous lance un petit appel. Hein. Si vous voulez qu'on fasse découvrir des beaux paysages comme ça, c'est avec plaisir. Let's go. On va descendre un petit peu plus bas. On est dans l'autre côté de la montagne, avec la rivière du Colorado, juste en dessous. Incroyable, trop impressionnant. Les gars, je suis un peu trop concentré sur la caméra et c'est très dangereux en fait, donc j'arrive pas à me déplacer et checker la caméra parce que je vous cache pas qu'on est au bord de la montagne. Mais c'est waouh, c'est vraiment waouh, waouh, waouh. Et en plus, il y a des hélicos et moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment les oiseaux. On les voit en fait, étant donné qu'on est tout en haut de la montagne, au sommet, eux, ils volent. Et je peux pas avoir d'image vidéo malheureusement. Parce que j'ai pas un bon objectif ou quoi que ce soit. Mais c'est magnifique à voir en fait. Il y a des espèces de. Il y a des espèces de corbeaux et d'aigles. Magnifique à voir quand ils volent justement. Et ils passent vraiment juste à côté de nous. Quoi. Il y a une espèce qui existe qu'aux États-Unis. Et non, même pas, c'est que dans cet état en fait. Et c'est une espèce de cactus qui sont gigantesques, qui sont vraiment magnifiques. Je sais pas si on aura l'occasion de s'arrêter pour les filmer, pour les prendre des photos avec ou quoi. Mais je crois qu'on passe devant avec le bus. Je les filmerai. C'est pas des cactus ? Si, il a dit que c'est... Les Joshua tree là ? Les Joshua machin les gars, c'est des cactus ? C'est un arbre. Ah mais ça a l'air d'être des cactus frère, ça a des pics partout, ça part dans tous les sens. Ah vérifie. On n'a pas de connexion. Soit je suis un génie, soit je suis le mec le plus stupide. Et je passerai pour un inculte. Devant toute la France. Je crois que c'est des cactus, hein. Moi, ça a la gueule de cactus, frère. Ils appellent ça arbre, mais tu connais les ricains, frère. Je dis pas que, ils sont idiots, ou vous l'êtes, si vous le regardez. Loin de moi, cette idée de vous dénigrer. Mais les frères, en termes de vocabulaire, de détails, de précision, ça englobe pas mal de choses, hein, le langage des Américains. Je crois même que l'anglais, la langue anglaise, ils ont un peu détruit quelques mots. Ouah, non, là, c'est un précipice énorme. Attendez, regardez. J'ai mes pieds juste là, les gars. Là, c'est ça, là, ça dévale. Hein. Tu connais l'altitude ou pas du tout? Ouais. C'est quoi, 4000 feet? 4000 feet, ouais, parce que eux... Kilomètres, kilogrammes, millimètres, ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Donc c'est 4000 feet, je sais pas à quoi ça correspond en mètres. Mais je sais que c'est énorme parce que c'est 4 ou 5 fois plus que la Tour Eiffel, ce genre de choses. Parce qu'ils aiment bien mettre des illustrations pour penser plus simplement. Ah, restons polis. Bon, on kiffe. On kiffe, on kiffe. Et après, bien évidemment, Vegas. Voilà, Vegas, baby. Moi, je joue pas, les gars. Mais lui, par contre, c'est un gros kiffeur de poker, là-bas. Là. Il y a les championnats du monde, WSOP. Je découvre. Là, je fais genre, je connais et tout, mais... C'est lui, il m'a tout dit. Non, mais en fait, j'ai tweeté. J'ai tweeté une photo, en fait, avec le logo WSOP. Et il y avait des mecs super excités qui me disaient « Waouh, incroyable, Malek, t'as de la chance et tout. » Ce serait mon rêve et tout. Oh putain, le précipice. Fais attention là, tu vas crever sinon.
C'est... Faut que je me concentre les gars, attendez. Je vais m'arrêter. C'est mon rêve. Moi je kiffe trop le poker et tout. T'as énormément de chance et tout. Je dis ouais franchement, frère, je me rends pas compte de cette chance parce que moi, bah, je suis pas intéressé par, par ces activités-là. Mais je respecte parce qu'il y avait une vraie ambiance. On est allé dans la salle et tout. Retransmission télévisée et tout. On a du public, on peut approcher bah, justement les joueurs qu'il y avait. Il y a une vraie ambiance. Tu sens une pression, il y a une belle atmosphère de compétition et tout. Et ça, de toute façon, les Américains, ils savent faire le show, ils savent faire le spectacle, ils savent mettre en avant et tout en termes d'image, de son et tout. Et je l'ai vraiment ressenti fortement. Donc vous aurez des petits trucs de WSOP, on va faire du Counter-Strike IRL, petit hélicoptère. Voilà, j'ai fait tous les trucs un peu de touriste. Je me dis que je suis là, je dépense un peu de mon argent. Donc let's go baby. Et bien sûr, si vous voulez vous abonner à ma chaîne Twitch, faites-le hein, parce que... C'est de là-bas que je tire la plupart de mon revenu et donc je compte sur vous tous. Regardez, donc là on est au plus haut point je crois. Non, c'est encore un peu là mais ça y est, je suis exténué. Vous sentez là que j'ai le souffle et pourtant je cours les gars. Franchement je cours, j'essaye un peu de m'entretenir et tout mais c'est très dur. Colorado River, juste en dessous. J'aimerais bien genre faire des trucs d'Instagrammeuse là, comme ça là, à tourner. Mais je vous cache pas que... Allez, je vais essayer de le faire quand même. Je prends des risques, je vous cache pas que je prends des risques. C'est stylé ou pas? J'espère que c'est stylé. Parce que là, je vous jure que c'est hyper dangereux. En plein Las Vegas, on est à je sais pas quel casino, très honnêtement. Vu que moi je m'en fiche un peu, mais très étonné, on est à l'HyperX Arena, la marque HyperX là, de gaming, et il y a une sorte de LAN, voilà, stylé, genre à cybercafé. Et je crois que ça dépose son fils pour qu'il aille jouer aux jeux vidéo, pendant que les darons ils vont jouer aux machines à sous. Ça c'est pas bien ça, ça c'est pas bien ça. Voilà. Et nous c'est Team Predator, hein. Voilà, nous on aime Predator. Non mais les gars, on a le prix là du cybercafé, 1 heure, 15$, et c'est quoi l'autre? 4 heures, 40$. Je trouve ça cher, non? Attends. Moi, je trouve ça cher. Il m'a dit, ouais, mais c'est Las Vegas, machin. Profiter un peu du paysage. On est... Ah, c'est là où il y a les pyramides. Je sais même pas comment ça s'appelle, les gars. Voilà, très honnêtement, je sais pas. Je kiffe. Sans kiffer. Regardez, c'est plutôt joli, en vrai. Ah ici, Black Zero sur l'air conditionné aussi. Hein. Il y a la clim dans tous les sens. Là, dès qu'on sort, il y a une chaleur qui nous prend, c'est une folie. Genre. C'est vraiment une folie. Et là, on a la vue sur le strip de Las Vegas. On va aller regarder un peu tout ce qu'il y a. Ah, les gars, on avait raté un plan de zinzin là avec la pyramide. Regardez comme c'est stylé derrière. Pyramide et sphinx. Il fait un soleil de zinzin. J'ai plus chaud ici à Las Vegas que dans le Grand Canyon là en Arizona, dans le désert. Alors je soupçonne le fait d'être à la montagne en fait et qu'il y avait la rivière, le Colorado Spring, Colorado River, et que ça rafraîchit un peu en fait, parce que là je vous cache même pas, c'est une dinguerie. Il fait trop chaud, trop chaud. Là il y a le castle derrière. Je suis désolé mais je le trouve très moche. Enfin, je vous le dis, je le trouve trop laid. Espèce de château, pas ouf ouf si vous voulez mon avis. Je pense qu'on a des châteaux beaucoup plus stylés en France. Voilà. Je suis allé un peu à Poitiers, à Tours, dans des endroits comme ça un peu en France. Et je trouvais qu'il y avait des châteaux bien plus authentiques, plus de charme. Ouh, il y a la Statue de la Liberté, le MGM Grand, pour ceux qui veulent aller voir les gros matchs là, de boxe, Mike Tyson, Mayweather. Et autre UFC, bien sûr. Tout stylé derrière moi. Statue de la Liberté. Vraiment sympathique. Le MGM Grand à ma droite. New York, New York. Vraiment, il y a une petite ambiance. Toutes les références, en fait, ils les ont prises. Et ils ont fait un condensé dans la même avenue. C'est bon, j'ai compris le thème, là, ici. Là. Il y a le Casino de Paris aussi, avec la Tour Eiffel. Oh là là. Et le soleil, les gars. Mama, si vous devez venir ici... Essayez de ne pas venir période d'été, début d'été, le printemps, là, faut éviter. Hein. Faut éviter, je pense, c'est vraiment une chaleur douce.
Ici, il n'y a que des boutiques de luxe. Ou alors, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, sur l'avenue principale, il n'y a que des boutiques de luxe. Il y a genre... voilà, Louis Vuitton, Gucci, Dolce & Gabbana. Malheureusement, c'est pas pour nous. Malheureusement, c'est pas pour nous. Je sais pas si on peut faire du shopping pour les gens normaux. Comme nous, là, le FC Clochardignan. On arrive dans une partie de Las Vegas que moi, j'adore. En fait, visuellement, peut-être c'est parce que je suis français. Mais voilà, on a la petite Tour Eiffel derrière nous. Voilà, avec le Casino de Paris, très connu. Mais il n'y a pas que ça, c'est là où se situe le Bellagio aussi. C'est un très célèbre casino avec les fontaines. On va aller voir ça. Et le César Palace. Moi, je pense que c'est le plus bel endroit un peu de Vegas. En tout cas, moi, c'est celui que je préfère. Peut-être parce qu'ils sont tous un petit peu côte à côte. Il y a un bon mood. Je pense qu'il y a un bon mood là-bas. Je vous y emmène. Là, c'est grave sympa, là. On arrive dans le Little Paris. C'est chez nous. On va à Las Vegas pour aller à Paris. Est-ce que je suis pas le plus grand escroc de l'univers? Oh, il y a les fontaines. Oh, je veux pas rater les fontaines. Bon, en vrai, il les joue toutes les 15 minutes. Mais là, let's go, baby. Le petit Bellagio juste derrière nous, avec donc Bellagio ici, César Palace ici, et juste derrière nous, le Casino de Paris. Ouais, il y a les trois, enfin moi je trouve ça trop joli, trop stylé. Et en plus on est arrivé au moment du spectacle, donc c'est vraiment sympa. Bon, il le joue toutes les 15 minutes et surtout le soir, je pense que c'est pas mal stylé le soir, avec les lumières et tout, plutôt cool. Voilà, petit Las Vegas, les amis, découverte, j'espère que... ça vous fait plaisir, voilà. Qui aurait cru que je serais un jour à Las Vegas avec vous? Le Grand Canyon, c'était exceptionnel, vraiment. Là, on est à Vegas, donc moi, je suis impressionné par, on va dire, l'architecture, voilà, le divertissement qu'il y a autour. Et surtout, demain, pour moi, c'est journée hyper stylée avec Counter-Strike IRL. On va aller tirer dans tous les sens et hélicoptère. Voilà, c'est ce que je me suis offert. Et après on rentrera à la maison tranquillement, hein. On va aller streamer, reprendre du niveau, parce que là moi ça fait deux semaines sans un PC, ça me manque, ça me démange. Et surtout, sachez que j'ai la phobie parce que je sais que je vais devenir nul là. Donc il va falloir que je m'entraîne et tout. Sachez que j'y pense, c'est une dinguerie. Et réenregistrer des actus, parce qu'il s'est passé plein de choses sur CS dont il faut que je vous parle. Et donc voilà, retour au travail, même si j'y pense dès maintenant, je suis déjà en train d'écrire un peu les vidéos. Voilà. Mais là, on prend du bon temps, on se détend quand même un peu. Plutôt stylé le casino là. Très classe. C'est vraiment impressionnant. Ça respire la richesse de ouf. Beaucoup trop d'argent pour moi là. Je suis pas prêt à assumer. Même pas combien ça coûte une nuit ici. C'est une folie, hein. Vraiment c'est une folie. Moi j'aime trop, hein. Regardez derrière nous là. Des fontaines, vraiment stylé. Il vient de me dire que pour jouer à la roulette, c'est 25$ minimum. Une main. Ils sont pas là pour rigoler. Oh, la musique, c'est trop fort. Oh, ouais, massage. Il y a même des masseuses pour les... il y a des masseuses pour les gamblers qui prennent soin d'eux et d'elles pour que derrière ça ralasse. Là il y a une statue romaine représentant de César tout nu. Donc je peux pas vous le montrer. Hop. On va censurer. Et encore je vous le montre dedans. Moi je l'ai vu de face. Là on est dans la poker room parce qu'il y a le tournoi mondial en fait de poker, les WSOP, et donc c'est qualifications etc. avec des tables. Et donc là on est en plein dedans, là ce que vous voyez c'est les tables de poker
avec les joueurs qui s'inscrivent pour aller jouer derrière. Et justement, notre ami Asgard qui va faire un tournoi de poker ce soir et demain. Parce que lui, c'est un gros kiffeur de poker. Mais c'est la première fois, non? Bon, c'est la première fois qu'il va jouer ici. Il stresse pas mal. Tu stresses? Non, il stresse pas. Il va finir premier. Il va finir premier, il a dit. C'est sa première LAN de poker et il croit qu'il va pas trembler là. Il croit pas qu'il va chicoter des doigts là. Allez monsieur, pas à nous. On les connaît les premières LAN, on les connaît. On est dans la galerie là. Que des boutiques de luxe. Saint Laurent, Jimmy Choo, Burberry, Valentino. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous messieurs, c'est pas pour nous. Peut-être qu'un jour on pourra rêver de ces choses là nous aussi. Qui me semble quand même futile, mais c'est juste pour le plaisir de se dire on l'a fait quoi. Waouh, là il y a un ciel incroyable. Oh, faut que je vous montre ça, c'est exceptionnel aussi. Grave stylé. Oh, la marque la plus explosée que j'ai jamais connue. Alors que Blancpain juste à côté. Là on est bien. C'est quand même très stylé. Hein. Ils arrivent à créer des univers de ouf. Enfin, même pas comme c'est trop beau en fait. C'est classe. C'est... Ça donne envie en fait. C'est... Je sais pas comment vous expliquer, mais ça donne envie de tout dépenser. C'est pas trop beau ça? Tellement classe, je suis choqué. Je suis sûrement fou, vous me direz. Mais je trouve ça tellement classe, des fontaines comme ça là. Ça, c'est trop joli. Bon, après, ils ont bien évidemment pris le design aux Italiens. Mais je trouve ça tellement joli. Ça a tellement de charisme, comme dirait notre cher Pokémon francophone. Mais bon, les gens qui viennent à Vegas et qui sont pas dans le jeu, par exemple, ils font quoi? Parce que moi, je joue pas, donc bon, Grand Canyon, voilà, on a vu un petit peu ces choses-là. Faire un peu d'hélicoptère, parce que c'est vraiment pas cher du tout. Pour ce que c'est, je trouve qu'ici, c'est vraiment très abordable. On a payé 99$. Je sais pas si vous trouvez ça cher. Moi, je trouve que c'est très correct. Et après, t'as tout fait quoi. Enfin, les boutiques et tout, mais il faut des budgets mirobolesques pour pouvoir se permettre une vie de château comme ça. Je vous montre un petit peu là, on est au championnat du monde de poker, même si moi je joue pas. C'est Asgard, lui, c'est un gros fan. Il a joué hier. T'as fini combien hier? 12e, il a fini sur un tournoi. Et donc là, bah, je vais juste vous montrer un petit peu la salle pour que vous puissiez découvrir comme moi. C'est un truc de zinzin. Ici, c'est vraiment. C'est une religion, ils aiment trop ça. C'est très sérieux et c'est archi impressionnant. Il y a une grosse atmosphère de compétition et beaucoup de passionnés, je suppose. Donc regardez un petit peu la taille d'une seule salle. Il y en a vraiment des dizaines et ça se déroule vraiment sur des mois. C'est énorme, comme vous pouvez le voir. Et franchement, c'est qu'une seule salle. Donc moi je suis grave impressionné. Je joue pas mais bah, écoutez, je découvre, j'apprends comme vous. Quinte flush, double brelant d'as, de roi, supplément dame de cœur. On est bien. Ça s'appelle les WSOP. Voilà, maintenant je suis un collab. Il commence à quelle heure ton tournoi? 14h pour lui. T'as la pression? What's up? What's up? 2024 World Series of Poker, man. Voilà. Peace. Good luck. Thank you very much. Vous pouvez voir les gens, des gros passionnés, des kiffeurs, très avenants. Vraiment, tout le monde lâche des sourires et tout, c'est incroyable. Après, je pense que c'est l'effet de la caméra aussi. Mais vraiment, les gars, super sympa. Ici, c'est quelque chose, le poker. Vraiment quelque chose. Salut les amis. Petite séance de Counter-Strike IRL. Et oui, on est à Las Vegas. Et ici, eh ben, on peut tirer. Donc, on va se faire... petit Counter-Strike avec, je sais pas avec quoi je vais tirer, Glock, M4, ce genre de truc.
ça va être sympa, ça va être sympa. On va faire le petit tour du propriétaire. C'est trop impressionnant. Moi déjà là ça tire dans tous les sens, je vois des armes. C'est une folie, c'est une folie. Voilà, donc il y en a qui jouent au casino, moi je vais tirer. C'est pas mal, non? Eh les gars, je vous ai montré là en petit plan genre cinématique des armes. Mais en fait là je viens de regarder avec attention, c'est des zinzins frère. Les guns là, c'est moins cher que des iPhones. C'est une dinguerie. Attendez, je vais vous montrer les prix. Les Beretta et tout, c'est genre 399$. 500, 600$. Et là ici, c'est moins cher. 439$. C'est genre pas cher de ouf. C'est une dinguerie. Les États-Unis. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire qu'ici, les jeunes, ou les moins jeunes, parce qu'en fait, c'est 21 ans, ils peuvent acquérir une arme à feu plus facilement qu'un iPhone. Je sais pas s'il y a des licences de tir, des machins à avoir ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, en termes de prix, c'est abordable. Donc ça veut dire que sur le marché, entre guillemets, de l'occasion ou quoi, ça va être encore moins cher que ça, c'est une folie, genre. Vraiment une folie. Mais bon, nous, on va les divertir, c'est que pour le fun. Et profiter de cette occasion pour prendre du plaisir, c'est tout. Most common handgun in America right now, it's like the perfect size for everybody's hand. You take your right hand just like this, you take your left hand, you're gonna fill the gap right here with your left hand like a puzzle piece. You're gonna point just like that. Okay, ready? We came from under rugs like we've been staying in our lane, ain't no merging. Looking like a motherfucking turban. Yeah, these niggas all spin like Irvin. Yeah, we grew up in the hell, no suburbans. If I say I need no money, then it's urgent. MP5, this guy is fully automatic, so you're gonna hold down that trigger the whole time. It shoots super smooth, it's super easy though. Yep, yep, absolutely. So, yeah, take your shoulder, left hand up here. Mass niggas always gonna be reaching for they hit. Smoking nigga like a clip, they can never catch me slipping. Every time your girl around, she be watch the way I'm dripping. It's a fully automatic AR-15. Right here, perfect. Same thing. See that red circle in there? Yeah, perfect. Put on your target, just like a video game. And then whenever you're ready, go ahead and fire. Major key, that's a chess mo. I'm your favorite G, I think it's best. Yo. Stop with the slide. Plus facile sur CS. You did pretty good though. Yeah, for the glass. A couple green shots, and a couple headshots. You're definitely gonna have a headache. Yeah, huh? Very nice. What about that? Those are warning shots. Just like warning shots. It's that splash, one wrong move, that's your ass. Do the dash, keep a stash, just in case they tryna flash. Never lie, we don't slack, till our eyes running back. This is like the most common gun, right? Yeah, the most common handgun in America right now is this Glock 19. And this is MP5. Yeah, this is MP5. Special Forces gun right there. Those guys are super expensive. Yeah, this is more like crazy. $30,000 to $40,000 guns. How much? $30,000 to $40,000. Okay, yeah. And what about that? They're fully automatic. I'm not completely sure about this one. Just kind of different. The range. Fully automatic, probably $10,000 to $20,000. That's expensive. Sachez que c'est impressionnant de ouf et ça fait peur. Toutes ces informations, je vous cache pas que c'est terrifiant. C'est tellement facile d'accès, ça tire, c'est un jouet genre, alors que ce n'est pas un jouet. I am number one, I'm number two. If I'm open this up, one time. And you load it, yeah? Yep, so we check all the moving parts to make sure they're good. Load this guy in. Just put the clip side up. Put it right there. Slide the phone, and put that board. Yeah, it shoots super flat, so it's heavy, so it's a lot of weight holding it down. You can hold down the trigger the whole time on this guy, otherwise... Alright, whenever you're ready, go ahead. In the last hour, see it coming. First take, come hotter than hot. Hotter than some boiling water. How's that? Wow. Go. Like, really crazy. It's super smooth though, right? But it's smoother than the M4. Yeah, exactly. Right? It's super easy. Really easier. Yeah. Ah, celui-là est beaucoup plus facile que la M4. Mais par contre, le bruit là, c'est. Ça siffle.
can see definitely very good. Couple lopa. Yeah. It's pretty good? Yeah, very good. Okay. Very good for first 1 out of 10. How many do you I'd say probably 8. 8? 8. Thank you very much. Yes, sir. Absolutely. You want a picture with 8 sur 10. It's pas mal. You want a picture with them? Yeah, of course. It's crazy. Oh, yeah. Celui-là, il est lourd. But do people shoot like this? No. You can. I've done it before. It's not too hard. Again, just ramble. C'est juste Arnold Schwarzenegger ou Stallone qui tire avec ça. Yeah, I've done it before, but it's just heavy. Kick back about? A little bit more, but not. It's really not too bad. It's just like the M4. It's okay. When you're holding it, it's just like the M4. Basically. Ouh, c'est quelque chose. C'est vraiment une expérience de jungle. Mitigé sur le c'est bien, mais t'as quelque chose de. Je sens que c'est dangereux en fait. Right. Et quand je dis dangereux, c'est vraiment dangereux. Il est là le désert qui gagne. Tout en or. Petite expérience terminée pour moi. Et à chaud les gars, comment vous dire que c'est très impressionnant. En vrai de vrai, c'est très très impressionnant. Je suis content parce que c'était quelque chose que je voulais faire. C'est une opportunité de venir ici et de pouvoir le faire parce que c'est très accessible. Mais c'est ça aussi le problème en fait, c'est que c'est trop accessible. Alors pour du divertissement, pour le fun et tout, je sais que même en France, il y a des licenciés qui ont juste besoin des licences de tir, etc. Et c'est du tir sportif. Et donc même en France, en vrai de vrai, ça reste OK. Mais ici, c'est genre tu viens comme un McDo, tu prends ton menu et voilà, j'ai payé $120, $120 la session comme ça. Et donc ils te laissent tirer avec un Glock, la M4, le MP5 et la machine gun. Et en vrai de vrai, c'est surtout très impressionnant. La M4 a un recul de malade. Vraiment, je suis choqué de la M4. Donc je comprends. Dans le jeu vidéo, là, les sprays, là, c'est trop facile par rapport à la vraie vie. Le Glock, c'est une tuerie, hein. C'est facile, c'est léger, c'est très précis. Machine gun, ça tire tout droit. Ça tire tout droit, c'est stable et tout, c'est vraiment très très lourd. Et les prix, hein, les prix d'achat, c'est vraiment pas grand chose, quoi. Je trouve que pour la dangerosité de ce que c'est et ce que les gens peuvent en faire, je trouve malheureux le fait que ce soit autant accessible. Et je fais même pas le moralisateur ou quoi que ce soit. En fait, tu prends conscience quand tu es là à te dire. Quand on est en France, je sais pas comment vous expliquer, mais tu dis vas-y, je vais le faire, c'est cool, parce que nous, on n'y a pas accès. Et donc, tu dis vas-y, c'est l'opportunité, je vais le faire. Mais maintenant que je l'ai fait, et même au moment où tu prends les armes, tu les vois, tu entends les rechargements, les balles qui partent, etc., les douilles qui touchent le sol, je vous cache pas que c'est des bruits qui sont terrifiants, quoi. Alors, peut-être que nous, on n'a pas cette culture-là en Europe. Et que pour eux c'est genre normal parce que même le gars, l'instructeur qui était avec nous, vous avez vu, hein, c'était un petit, il a 18-19 ans quoi, c'est un petit jeune, le mec il sait tout sur tout, il touche les guns, les armes, il recharge, il nettoie, genre voilà quoi, c'est le boulanger du coin pour lui quoi, mais sinon bonne expérience, en vrai de vrai je dirais que c'est positif, mais ça fait prendre quand même conscience de la dangerosité de ce que c'est. Et plutôt pas mal, vraiment les gens sont fun ici, très accueillants là-dessus, ils ont l'air vraiment d'apprécier ce qu'ils font et ils te transmettent quand même une bonne passion, une bonne énergie, les instructions sont vraiment sympas, ils sont vraiment là pour te faire passer un bon moment et là-dessus pour moi l'expérience elle est vraiment 10 sur 10. Et j'ai pas trop tiré dans les murs donc ça va, j'ai un bon IM, ça me fait quand même un peu plaisir. J'espère que ce petit partage vous aura fait plaisir aussi. Et si vous venez, si vous l'avez déjà fait, faites-moi vos retours aussi, ça peut être cool les gars. Nous voilà dans l'aérodrome de Las Vegas les potes. On va se faire un petit tour d'hélicoptère. Pour moi ça va être la première fois. C'est comme un rêve, on va pas se le cacher. Je me suis fait des petites activités comme ça, ultra plaisir. C'était vraiment très abordable. Je suis très étonné. Ici, tour d'hélicoptère, c'est vraiment genre $100. Donc ça va être cool. Ils vont nous donner les règles de sécurité, etc. On m'a pesé là, 79 kilos, voilà, parce qu'il ne faut pas lancer l'hélicoptère, tout ça. Donc j'espère qu'ils ne vont pas nous faire une petite Kobe, hein, que ce grand athlète puisse reposer en paix. Mais j'ai un peu les chocottes, alors, on va pas se le cacher, j'ai un peu les chocottes, mais ça va être sympa. Donc là,
Je suis au Papillon Grand Canyon Hélicoptère, même si nous on va faire le tour de Las Vegas du Strip en fait. De nuit avec des super couleurs. Et on va découvrir ça parce que pour moi ça va être la première fois. Direction de l'hélico. Quelle expérience de fou! J'en reviens pas, c'était incroyable. Bon, j'ai eu des petits hauts le cœur quand même, hein. Il m'a fait un peu stresser. Le pilote était d'une douceur. Oh là là, il s'appelle Robert. Il m'a régalé, vraiment il m'a régalé. Trop marrant et tout, et il fait en sorte que tout se passe d'une manière la plus fluide possible. Mais voilà, moi c'était la première fois en hélicoptère. C'était dingue, ça va vite, c'est impressionnant. Mec, c'est un petit peu amusé avec l'hélico à des moments pour nous faire un peu plaisir. Et c'était grandiose, honnêtement c'était vraiment grandiose. Donc là on va retourner sur le Strip parce que notre ami Asgard est au MGM en train de regarder le spectacle de David Copperfield, le plus grand magicien du monde. Donc on va se rejoindre et passer la soirée encore à Vegas parce que c'est notre dernière soirée. Demain on rentre. Mais j'ai vécu vraiment des expériences incroyables. J'ai réalisé plein de petits objectifs que je m'étais mis dans ma vie. Des petits rêves comme ça, et j'espère que vous avez pu passer un bon moment avec moi. Merci encore à Predator, et c'était oufissime. J'espère pouvoir encore accomplir d'autres choses, et je vous fais des gros bisous tout le monde. Au revoir Las Vegas, quel voyage incroyable, vraiment un rêve qui se réalise, des lieux incroyables qu'on voit que dans les films, et pourtant j'y étais, vraiment c'était exceptionnel. Merci encore, j'espère que je vais pouvoir vous partager encore des petits voyages comme ça, dans des lieux encore plus grandioses. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.